Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais retourner dans le biome brûlé, aller chercher les coffres que j'ai pas pu aller chercher la dernière fois. Je verrai sur place, éventuellement on fera peut-être un petit POI, histoire de s'occuper un peu, et ensuite on reviendra ici pour s'occuper de notre clocher. Ça vous a fait rire, mais ce n'est pas une église. Je confirme, c'est un établissement respectable que nous allons construire ici, où les gens se sentiront bien. Allez, je vais aller faire tous les petits préparatifs et on se retrouve dès que je suis prêt. Ok, c'est bon, tout est prêt. On va filer en direction du biome brûlé. Je vais prendre la voiture avec moi. Je vais aller voir d'ailleurs si le trader a pas une petite quête à me filer. Ça m'arrangerait. Vous voyez, une tier 3, une tier 4. Je vais aller voir. Et bonjour mon ami, comment ça va? Ok, il m'a déjà donné une quête. Un truc qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas quel trader donne quelle quête dans la liste des quêtes. Bon bah écoutez, c'est parti. Oh, les lunettes de loot, je vais les chercher. Yes. En plus elles ont plus 5 celles-ci, ce qui veut dire que je vais looter normalement un petit peu plus. On va en profiter pour voir s'il n'y a pas le mégot sucré. C'est celui-là. Vif œil. Et celui-là, j'en ai pas besoin. C'est le bonbon dont je parlais la dernière fois. On le prendra. On le prendra pour looter. On va looter tous les coffres. Hein. Oh, bah j'en profite, regardez. Il y a ce POI là. Ça ne me dit rien du tout, ce POI. Oh, bah écoutez, je vais le faire. Alors par contre, comme j'ai pas de quête, je ne sais pas trop où et quoi. Ok, on a un visiteur venu d'ailleurs. Ok, je vois un petit charlot ici. Ah, on a un loot ici. Ok. Bonjour monsieur. Et j'ai vu ça. Oh, quel œil, hein. Incroyable. Depuis que j'ai bu cette potion, je suis un autre homme. Ok. Oh, ça, ça pue, ça. Ça, ça pue. Ok. On a toi, là. What? Y arrivez ou pas? Alors ici il y a manqué l'une. Ok, je crois qu'on n'est pas censé passer par là en vrai. Plus l'impression que ça se passe par ici. Ouais, c'est ça. Oh. Putain, le petit bro s'est frotté en pleine tête qui m'a mis lui. C'est pas très court toi, je trouve ça. Ah d'accord, on a un passage ici. J'aime bien ces POI un peu des labyrinthes à partir de réels bâtiments. Je trouve ça sympa. Oh. Vous voyez? L'œil de lynx. Voilà, c'est ça. L'œil de lynx. Ok. Ok, ben je ne passe pas. Voilà, c'était pour vous montrer. Ah, des balles. C'est oui. Merci. Qu'a-t-on ici? Toilette toujours. Je pense qu'on va pouvoir démonter ça. Et ça, ça je garde. Ok. Je crois qu'on a notre ami de dehors qui est en train de tout péter. Ouais. On n'a rien ici. Oh, il y a un chien. Allez, au bâton. Yes. Malheur. C'était une réunion des rampants anonymes. Ouais, c'est l'autre de tout à l'heure. Il y aura du plastique à faire ici. Ça peut être intéressant de nettoyer un peu le POI. Allez. Oh bah.
avait un chien là-dedans. Il y a un rond-point quelque part. Oh. Non. En plus, j'ai pas pris la thune. Évidemment. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Toujours un pour faire le mariole, de toute façon. Qu'attend ici? Rien. Et ça, je le lis. Oh. Ah, c'est marrant, j'ai eu le signal. Ah bah d'accord, j'arrive ici. Ah bah c'était la zone... c'est la zone de loot, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est un petit peu oui vu la quantité de loot. Oh bah dis donc. Full boisson. Voilà, et vous noterez que j'ai complètement oublié d'enfiler mes lunettes, du coup je les ai prises pour rien. Voilà, la cohérence. Vous voyez, c'est important d'être cohérent. Toujours être cohérent. On va nettoyer un peu tout ça. Ok, bon, il n'y avait pas vraiment grand chose d'intéressant. Allez, je ressors. Ouais, bon, je vois rien de ouf. Alors, à part que on a plein de bagnoles à démonter. Et puis à côté, je crois qu'il y a un parking à voiture. Est-ce que c'est pas un bon endroit? Oh oui, là c'est un bon endroit pour récupérer du matos. On va le gérer comme ça. C'est marrant, il n'y a personne. Et là-dedans, il y a quelqu'un? Non. Personne. Ok. Allez hop, nettoyage de voiture. Petite hache level 4, propre. Nickel. Oh, on va aller checker ce qu'il y a là-dedans, tiens. Du pognon. Rien d'autre? Rien d'autre. Allez hop. J'ai pas raté, c'est faux. Alors. Celui-là m'inspire pas des masses. On va aller voir après s'il y en a un plus loin. On va aller faire les coffres. Trench, nickel. Nous y voilà. Alors, ici, on avait tout un tas de coffres. Ça, c'est grandiose. Ok, bah c'est parti. Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire. Je vais commencer par ouvrir tous les coffres. Et, oh, oh, oh. On a un sous-sol. Il y a des coffres dans le sous-sol, là. Il y a des zombies aussi. Ça c'est fait. Bon, je vais nettoyer les zombies. Comment tu me touches, toi? Et là, question, comment elle, je la touche? Ok, on a des caisses partout. Oh la vache, c'est nickel. Oh bah écoutez, je détruis tout ça et on y va. Foreuse. J'ai looté sans le faire exprès. Il y a l'autre qui tape là. Il est où? Ah, t'es là toi. Ah, bien, on va te foutre le bordel depuis tout à l'heure. Il y en a qui bossent. Hein. Ok, je continue. Donc j'ai fait les trois coffres qui sont là, puis celui-là. On va aller faire ceux d'en bas. On en a vu un planqué dans le mur ici. Oh, on en a encore là. Oh la vache, il y en a partout. Et le dernier. Eh ben mon vieux. Alors attention. J'ai les lunettes de loot. On va prendre le bonbon. Nickel. Et c'est parti. Ok, rien. Alors. Ok, des balles. Alors, armoire à fusil. Oh, magnifique maçon d'acier. Oh bah, va peut-être être mieux que la mienne. 37 de dégâts de base. C'est oui. Rien.
grosse masse level 5. Est-ce que j'avais... Il n'y avait pas des safe là contre le mur? Non. Vraiment, il est terrible ce POI. Je connaissais pas du tout en fait. J'avais trouvé une petite poste moi, mais celle-là, elle est vraiment... Elle est vraiment cool. Alors, on a celui-là. Oh. Dégâts de mêlée 40. Dégâts de mêlée 36. Ah d'accord. Ah oui, il y a vraiment une grosse différence entre chaque arme. C'est un truc de fou. Ok. Vifeuille dure 5 minutes. Ok. Lunette de geek. Ça, j'avais déjà pris. Alors. Oh yes. Rien. Rien. Ok. Je vais tout mettre là-dedans. C'est histoire de pouvoir finir de looter. Pognon. Yes. Oh, c'est quoi ça? Charge programmée. Ah, Willy en avait parlé dans son tuto sur les explosifs. Je vous le recommande chaudement d'ailleurs. Très bon tuto. Ok. Ça c'était fait. Et on en a encore deux ici. Trois, pardon. Ah bah celui-là j'ai looté par erreur en les ouvrant. Vous voyez, c'est fantastique ça. Regardez tout ce qu'on a récupéré. C'est un truc de fou. Ok, on va les poser tout ça. On va les poser tout ça dans la voiture. Oh, on s'est mis tellement bien juste avec un petit POI tout moisi. Oh, franchement, il n'y a aucune résistance. Hein. On a récupéré des nouvelles lunettes de geek. Mais il n'y a pas de stats différentes. Il n'y a pas de stats en plus, vous voyez. Bon. Sur l'intelligence, ça paraît compliqué, mais pour y avoir un pourcentage plus élevé de d'XP, par exemple, vous voyez. Ok, magnifique, magnifique. Bon, ça, c'est grandiose, ça. Bah, écoutez, on va ramener tout ça à la base. Ça me paraît très bien. J'aime looter comme ça. Je vais regarder vite fait ça. 36, 40. Celle-là, elle a 40 dégâts de base. La mienne, elle avait... La mienne avait 36. Et celle-là est 40. Du coup, elle est mieux et elle a un emplacement en plus. Bon, c'est génial. D'ailleurs, ça me fait penser, on a récupéré quoi? Fusil d'assaut tactique. 67 dégâts distance. Celui-là est déjà à 69, sauf qu'il a plein de modes. Je pense qu'on va encore faire une bonne opération là-dessus. Ah, fantastique. Pareil, sur les level 6, hein, vous avez un emplacement supplémentaire. Ça fait très plaisir. Oh, le fusil d'assaut tactique. Ça fait méga plaisir. Je suis où? Je suis là. Bon allez hop, retour. Je passe par là où je verrai un petit POI intéressant. Style une deuxième poste, vous voyez. On va peut-être pas abuser. Bon bah décidément, allez, un double. Yes, la doublette. C'est la doublette. Ah, ça adhère bien. Ah non. Non, il perd de l'adhérence sur la fin. Oh bah écoutez, on va se faire celui-là. Ouais, on va se faire celui-là vite fait. Celui-là, je m'en souviens. Personne ici? Ouais, celui-là, je le connais. En plus, vous voyez, il y a du ciment et tout ici. Et de la pierre à pavé. Et ça, ça fait bien plaisir. Si on peut se trouver un petit coffre des familles dans la foulée, ça serait parfait. Oh, toi, je te hais. Parfait. La petite mine ici, ça je m'en souviens bien ça. Chut, ça suffit. Silence. Oh, il m'a tellement pas vu lui. Ok, je vais looter la zone au fur et à mesure. Bon, ça fait un peu le mec radin, je récupère toutes les chaises, mais en fait j'ai des soucis de bois, donc c'est toujours ça que je n'ai pas à faire.
Oh. Mais non. Oh, quoique. Vifeuille. Bah, j'ai pas de soupe. Ok. On a une Jocelyne ici. Petit bâtard. C'est les costauds. Merci. Oh. On récupère 2-3 petits trucs, c'est intéressant. La mine. Ah, la mine est une mine en fait. Vautour des familles d'ici. Il y a toujours un petit vautour ici. Non? Pas de vautour? Ils sont là-haut, je crois. Ouais, c'est ça. Oh, cette traîtrise. Je crois qu'il a tapé son copain. Oh, le pauvre. La vie est tellement dure. Louton. Ok, des pièces. Oh, un AK level 6. Parfait. Je vais passer par en bas. On va aller récupérer tout, toute la pierre à pavé qu'il y avait au niveau du rez-de-chaussée. Ah, j'ai peut-être oublié des télés. Ici, non. Hop, ouais, mais là, oui. J'entends que ça gueule en bas. On va les poser. Je vais aller poser ça. Ah. T'es là, mon ami? Bah, vas-y, sors. Alors, il y a du papier ici. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté là. C'est pour pouvoir faire le plein de papier. Oh la vache, tout ce qu'on a récupéré, c'est un truc de fou. Ok, retournons-y. Donc ici, ouais, il y a papier, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça, vous voyez, regardez. Je récupère le papier par paquet de 100. Oh, c'est grandiose. Alors, vous m'avez mis en commentaire qu'on pouvait récupérer beaucoup plus de choses avec la tronçonneuse. Ça serait une bonne piste. Hein. Fait 500, un stock de 500 de papier. Ça, c'est parfait. Oh, regardez ça. La masse de papier que je me suis fait. Nickel. Hey, il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer à la maison. Ok. Nous voilà arrivés à la maison. Les arbres poussent, ils sont à l'étape où ils sont moches. C'est la manière à travers de la route. Parfait. Ah, bah écoutez, on va avoir un petit peu de rangement. On a récupéré tellement de trucs. Ça fait super plaisir. Allez hop, rangement. On se retrouve juste après. Alors, on avait ça. La carte. J'ai 61. Après, de base, je pense qu'elle va être mieux. Déjà parce qu'elle va avoir un emplacement supplémentaire. Celle-ci donc tombe à 50 et 59, c'est beaucoup mieux. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré plein de level 6 là. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter des modes supplémentaires, à mes équipements. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Bon allez, je continue de vider tout ça. Rangement terminé, j'ai mis tous les trucs réparés et à vendre ici. À part celui-là, je sais pas pourquoi il est là, celui-là. Casque du SWAT, j'en avais déjà un en plus. Enfin, je fasse un peu d'ordre dans tout ça. À mon avis, il faudrait que je rajoute un truc pour ranger ça. Parce qu'en fait, c'est un peu... ouais, c'est un peu encombrant. Ah non, j'ai encore tout ça. Bah écoutez, je reprends. Ok, j'ai tout réparé, j'ai rangé ici tous les trucs que j'allais pouvoir vendre. Il y a des belles pièces, hein. Il y a des belles pièces qui valent sans mode déjà plus de 1000.
Alors j'ai le désert vulture ici. J'en ai un rang 4. Du coup celui-là je vais le revendre. Ça vaut combien ça? 1300. On est sur des items du tiers supérieur je crois. C'est pour ça qu'ils coûtent beaucoup plus cher je pense. Et bah nickel. Et on a pas mal de balles. Alors je vois qu'on a des... J'ai des trucs en double ici. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai gardé tout ça moi. Vous voyez, j'ai pas mal de choses ici, notamment en termes de munitions et d'armes. J'ai des trucs pas mal. Fusil tireur d'élite, je l'ai gardé. Il faut savoir que là-haut, j'avais une caisse que j'avais pas complètement vidée. Alors, c'est pas celle-ci, même si celle-ci, je l'ai pas vidée. C'est celle-là, vous voyez. Il y a plein de trucs ici. Alors, les rangs 1, rangs 2, tout ça, on peut scrap. Ouais. Ouais, je vais récupérer tout ce qui est là. Je vais me faire une petite séance. Je vais terminer ma petite séance de rangement. Ça me paraît bien. Ouais, alors j'ai pas trop de place en fait. Hein. Vous voyez, j'ai encore tout ça en munitions à mettre. Je pense que je vais me faire un deuxième emplacement pour ranger uniquement les balles. Parce que vous voyez, j'ai encore tout ça à ranger. Ce que je vais faire, c'est aller, je vais aller me construire un deuxième coffre-fort. Comme ça, on va pouvoir ranger toutes les armes correctement. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'installer à côté ici. Alors du coup, pour faire ça proprement, je vais creuser ici, je vais agrandir un tout petit peu, je vais faire un petit renfoncement ici, ça va être sympa en plus. Ouais, ça va être sympa, mais ça va être lent. Accroche. Je vais en profiter, je vais relancer aussi de l'essence, parce que j'en ai presque plus. Bien évidemment. Là. On a un gros truc. Il y a un ours. Mais c'est ça. Réussir à m'enculer. Il y a un autre zombie là. Ah, il y a un chien là-bas. On a eu de la visite pendant la nuit. Où sont les autres hein? Regardez, il y a une crieuse qui arrive. Bonjour madame. À me défoncer lui. Mais ça tape. Mais ça tape. Ils sont en train de péter la maison. On peut jamais être tranquille. On est bon par là. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ils m'ont interrompu. Qu'est-ce que je faisais moi déjà? J'ai oublié. Ah si, oui, si. Je lançais de l'essence en bas. Et j'étais en train de faire mes aménagements ici. Reprenons. Quelle histoire. Enfin, je renforce ici parce qu'on a encore pas mal d'endroits où c'est du bois. Et le problème, vous voyez, c'est que ils ont tendance à pouvoir venir. Cette porte ressemble tellement à rien. On va les voir, tiens. Je vais, par curiosité, vite fait avant que je reprenne ma construction. Et vous voyez, les batteries sont pleines. Elles ont rechargé pendant le jour. Et là, ça consomme pendant la nuit. Que disions-nous? Nous disions... ici. Ok, bon, ça ressemblait pas à grand chose.
Pour l'instant, je vais juste aménager vite fait le sol. Et ensuite, je verrai comment j'aménage ça. Le truc, c'est qu'on a les murs porteurs par là. Donc, faut pas non plus faire n'importe quoi. Ok, parfait. Petit emplacement. Et puis, ici, je verrai après. Déjà, je pense que... Voilà, on sera sur quelque chose plutôt dans cet esprit-là. Peut-être que j'ouvrirai un poil plus, par une pièce un poil plus grande. Mais ça, ça va me permettre de mettre un deuxième safe. On a récupéré ça. Hop. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Alors du coup, alors attendez. J'ai un doute, c'est assez porteur ou pas? J'aurais tendance à dire que oui. Du coup, on va faire un aménagement plutôt comme ça. Voilà. Et puis là, on va creuser. Ok. Eh ben nickel. Voilà, là-dedans, on pourra ranger toutes les munes. Et dans celui-là, du coup, on rangera toutes les armes. Ok, super. Et ben voilà, j'ai tout rangé. Sauf ce truc-là, bien évidemment. Ok, on a maintenant une caisse pour tout ce qui est armes et équipements. Ici. Et ici, on a toutes les balles. On a pas mal de balles. On est plutôt bien à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut! Ah, attendez. On est interrompu. Alors? Tu interromps la fin... T'interromps la fin de l'enregistrement? Oh, bah regardez. Yes, voilà, ça, c'est ça qu'on aime. Voilà. Je pense que c'est bon. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut !